Et ça aussi, me tape belle à vie de venir, il faut pour maintenant. Cirefuente. Je suis en direct, comme tu es sauvage là. Voilà ça ici. Non, je n'ai pas tourné la caméra. Bonsoir. Claude Acaparo, partage-moi ça. Identifie-moi celle qu'on appelle Keren Mère Biola et la chose qu'on appelle Waris. Je veux parler, je veux convoquer les âmes ici là ce soir. Parce que j'ai l'impression que les âmes, je dois convoquer les âmes. Ça, c'est le jugement dernier pour eux. Je vois qu'ils font partie des mauvais esprits, des esprits que Dieu avait envoyés venir contrôler comment la terre va. Et eux, ils sont restés. Et on les a punis. Leur sort, c'est de d'être laide et sale comme Waris, c'est sale là. Claude Akam dit que tu les débloques, Leonardo. Leonardo, Claude Akam dit que tu les débloques, pardon. Que tu les débloques. Elles sont jolies. Elles m'ont rongé à Kousboye. Maman était Kousme qui boit le sambo. Très jolie, hein. J'aime beaucoup. Bipez-moi la seule chose qu'on appelle Waris. Waris, viens bien me regarder en live. Viens me regarder. Elle et moi, on était d'abord copines quand. Parce que quand tu regardes un personnage comme Waris, quelque chose qui est laide comme. Donc, elle est laide comme ce qui donne en haut de l'arbre. Mouranyoumi, une machiavélique, une cervelée, toujours en train de coincer les têtes des gens. Vous êtes assise quelque part comme ça. Elle vient faire comme si elle te parle quelque chose. Elle ne te dit rien. Vous allez faire les problèmes là. Le serpent bois là, elle est là, elle est là. Démon, tu me veux quoi? Tu parles de mon mari. Tu as le mari. Un homme, tu vis où? Tu quittes déjà à Rouen pour venir t'installer à Paris. Et je sais que tu quittes à Rouen parce que ce sont les arriérés de salaire qui te chassent là, de moi, de loyer qui te chassent là-bas. Comme dans le 19e à la rue Axo, on t'a chassé là-bas. Tu avais 7 mois de loyer impayé. On a saisi tout. Tu es sorti là-bas seulement comme tu étais habillé avec les vieux. De toute façon, il y avait quoi? Toute la saleté. Et nous, vous, tu me cannes. Hein, les préservatifs entre le chien qui chie partout, en haut de la cuisine, partout. Une vitignée, vos mousses. Toi, tu peux me parler, Waris Richie Blanchard. Zanebor Blanchard. Blanchard, c'est un client que tu avais à Reims dans la route, une bordel, un travesti. Un homme qui se place en face de la poste à Reims. Tu es quelqu'un? Tu es quelqu'un? Hein? Mieux de toi, Kimberly. Tu as dit aux 3 personnes qui te suivent dans tes directs là que tu t'appelles aussi que Kimberly dans la rue. Prostituée de bas étage. À Vebanou, il a une chambre froide. Nielan. Mvirigni. Même ton esprit est sale. Satan Bilongo. Hein? Toi qu'on appelle Borosangi, vous me faites pitié, c'est déplorable. Voilà Leonardo DiCaprio assis ici à côté. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que vous pouvez mettre vos gueules et vos culs dans les histoires des gens comme ça? Tu es en train de faire, tu essayes d'attirer, appeler l'attention de Leonardo DiCaprio. Moi j'ai une règle, il ne te gère pas. On a une règle qui est d'or. Quelqu'un qui insulte un PD, si tu es mon ami, tu parles avec lui, tu es en guerre avec moi. Oui. Et comme je sais que nous, on est les personnes intelligentes, on réfléchit que quand tu fais comme ça avec l'autre, demain, tu me diras la même chose. Tu es seule, isolée, dans ton camp, petite lesbienne, une grand-mère comme toi. C'est maintenant que tu es venu connaître que l'orgasme sexuel entre 2 femmes, tu prends l'avion au Canada, tu t'exportes, ta tête est comme le coffre-fort. Tu amènes alors ton ignoble toute. Me vouri lang, anaba, tu amènes ça, tu pars t'asseoir chez Coco Kouetou. Qui est Coco Kouetou? Une mongole, enfant née de trisomie 27. Elle habite en Belgique, on dit qu'elle est une fille bamoun. Le gros haricot est comme l'écran placement. Hein? Elle habite dans toutes les villes où est-il la valise. Une femme qui passe prostituée avec son enfant, elle donne les somnifères à l'enfant. Pour recevoir les clients, j'appellerai en direct ici les services sociaux. Je vais identifier le problème là. On va vous juger, on va vous guetter. Oui. Vous ne pouvez pas attaquer les gens comme ça tout le temps dans la vie. Coco Kouetou Flore t'a dit qu'elle ne te veut pas.
Tu as forcé tout qu'on t'assume. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un. Si quelqu'un, je n'ai pas dit aux gens que j'ai couché avec quelqu'un, la personne fait le déni. J'ai honte. Quand on fait le déni de toi, cache-toi. Hein? Tu es devenue une collectionneuse. Tu collectionnes quoi? Partout là où les gens sont en désaccord avec Flore, tu es heureux derrière avec ta laide tête. Comme quelqu'un qui est en train de se pendre. Un ben touillant en oiseau. Tu es qui? Tu es quoi? Les vieilles mères comme ça. Celle qu'on appelle la reine mère bio, le bio de la bêtise, Kukumbo. Hein? Kukumbo, elle est placée avec la grosse tête. Tu as laissé le taxi Uber avec qui au Canada. Tu n'as pas honte pour une femme de ton âge et ton acabé. À vous dire, à quoi vous êtes mamekan? À quoi vous foulous? Ah, franchement, les PD aiment trop l'amour dans le sexe. Pour la sexualité. C'est le week-end comme ça, les chattes des gens là, comme les femmes. On a les mêmes problèmes, non? Waris. Regarde comment je suis très jolie. Regarde. Waris, tu peux être belle comme moi dans la vie. Hey, Waris est jalouse. C'est ma copine qui fait les tableaux aussi. Si vous êtes intéressé, elle est une artiste. Elle s'appelle que Patrick Atangana. Elle est là. L'artiste elle-même, vous voyez comment ça, c'est le travail fait en main propre, les pièces uniques. Donc voilà. Il y a les filles, j'ai des problèmes dans la vie, tu comprends. Je sens que tu veux vraiment pas se battre. Le week-end, si ma sœur te touche, on n'aura pas un problème. Mais écoute, tu auras un garage, Je bloque ton. Je te bannis. Voilà la puissance. Où c'est qui l'a fait? Voilà. Doran Senghor. Je te. Oh, voilà, banni. Je te bannis de ma page. Tu ne fais pas. Quand on respecte votre travail, vous demandez ici là que les réseaux sociaux nous donnent quoi? Le réseau social, ça là, c'est mon travail ici là que je suis au travail. Alors tu ne débarques pas dans mon poste et mon bureau. Tu glisses une pub. La page, ceci, page, il en tout zout. Je te bannis de ma page. Voleuse d'étoiles, chienne. Hein? Elle vient mettre que sa page, elle fait les promotions des habits dans la vie. Il tout zout. Vous êtes comme ça, vous me supportez, après vous glissez la pub. Je vous bloquerai toutes. Je suis vigilant dans mes commentaires. J'ai déjà un administrateur. Non, non, je ne te débloque pas sur WhatsApp. Tu m'as déjà menti. Nos causeries resteront que virtuelles ici, là, sur Facebook. Tu ne peux pas me mentir que tu habites en Suède. Tu me donnes un numéro du Cameroun. Après, après, tu me dis que non, tu n'es pas encore arrivé. Tu as les projets de partir là-bas. Qu'est-ce que toi et moi, on va encore parler? Non, non, non. La proximité engendre beaucoup de mépris. Vous êtes comme ça. Après-demain, après-demain, va entendre que tu avais dragué. Non, cause avec moi là. Quand tu m'écris ici, tout le monde lit. Je ne veux pas parler en privé avec quelqu'un qui m'a déjà menti sur sa géolocalisation. Je sais que tu me mentiras sur quoi demain. Non, 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 je n'accepte pas. Laisse tomber, je ne suis pas là pour toi, dit Yannick. Il a dit que toi-même un jour, tu passeras au blocage. Continue toujours à te faire remarquer de manière négative dans mes directs. Continue. Je n'enlève pas la veste. Il n'y a pas le chauffage sur Leonardo ici. Quoi? Il n'y a pas le chauffage ici, je n'enlève pas ma veste. Patrick est parti même demander un chauffage là chez les voisins. Leonardo a dit que non, il y a la gare en Russie. On ne branche pas. Les factures vont monter. Donc, j'ai ma veste. J'ai trois pulls là-bas. Comme ça. Moi-même, je suis assis ici. Donc, votre foi, là, c'est vous seul qui avez fait, je suis un t-shirt. Ouais! Vous n'avez même pas honte, celle qu'on appelle Waris. Elle a entendu que les gens font les directs. Il y a les filles qui aiment beaucoup Nivakine parce qu'elle est très jolie sur Facebook. Elle aussi, elle veut venir avec son visage de guenon. Elle vient se placer. Les comédons font déjà les plaques sur le visage. Ma chérie, frotte-toi déjà d'abord un petit gommage. Il faut avoir un visage qui est d'abord crédible pour qu'on puisse croire ce qui va sortir de ta gueule. Hein? Franchement, ta fausse sceptique que tu appelles bouche là, un tout zout. Je ne dis pas, elle mourra, elle va mourir laide. En cas que soit si hein? Claude Akam dit qu'Adeline a débloqué moi. Chacun a ses problèmes ici dehors.
Votre requête a été reçue. Donc maintenant, on attend. Elle doit examiner. Et ce soir, je vous déconseille. Elle est un peu très titillante ce soir. Donc attendez demain ou le lundi. Très joli, non? Tu as vu sa chou-fleur? C'est moi, Waris Richie Blanchard. Quand est-ce que tu te regardes? Tu dis à tes abonnés, tu peux prendre les vidéos de moi là où la famille voulait me tuer au Maroc, là où j'étais pas joli. Hein? Quand je souffrais encore, que même si tu manges, tout ton esprit est en bain. Tu habites à côté du Schengen, où tu vois l'Europe tous les jours, tu ne peux pas partir. Prends une jolie vidéo de moi. Hein? Tu vois comment je suis belle? Tout très joli. Salut, Bridel, médicament des jaloux. Ma copine, si elle était venue me rendre visite. Non, ce n'est pas moi. Oh. Elle était amoureuse d'une lesbienne. Là. Ma copine, là, c'est une guine. Elle était amoureuse d'une lesbienne. Là. Elle a maintenant aimé la fille là comme ça. Elle est venue la voir. Tonton Bon Plantain que vous connaissez sur les réseaux sociaux, c'était son ex. Bridel, j'ai craqué. C'est ton problème. Je t'ai déjà dit pour toi. Tu étais venu me voir là-bas. Tu me connais jolie à la base. Petits gens comme Waris, les gens qui sont venus en Europe à l'époque de François Mitterrand, que sa tante avait tapé la correspondance à l'époque du journal français, que les femmes trouvaient les blancs. On envoyait la photo par la poste. Hein? Mes tantes avaient fait ça aussi. On envoyait la photo par la poste. Ta tante là est venue. Elle a vu que non, avant tu pouvais dire que tu as 5 ans, 8 enfants. Nos tantes qui ne nous ont pas fait venir là, elles étaient seulement mauvaises. Sinon, avant, on changeait seulement la photo sur les passeports. Tout le monde pouvait venir en Europe. C'était que le mauvais cœur. Elle voulait être l'imbenguiste elle seule. Hein? C'est la même période là. Le rescapé qu'on appelle Waris Richie Blanchard. Il ne s'appelle pas Waris Richie Blanchard. Il s'appelle que Raphaël Nkunzi. C'est son vrai nom. Blanchard, c'est un client qui travaille dans le champagne à Champagne à Den. Il a rencontré Waris en face de la poste à Reims. Là où elle faisait le travesti. Ses clients la connaissent au nom de Kimberly. Elle met souvent 4 kilos de poudre sur le visage. Waris, c'est toi qui parles mes choses sur Internet. Tu oses parler de mon mariage. Je suis paxé, tu peux le vérifier. Au Luxembourg, avec mon homme, on se marie en été. Quand je fais les directs, je te fais les directs à domicile. Là, actuellement, je suis à Charleroi. Plus précisément, à la résidence DiCaprio, où tu pensais que tu vas venir chercher l'assaut, le aide-moi à détester, qui va courir derrière pour venir te dire que Nivakin a dit que nous, les gens de la gloire glorieuse, on peut se tuer, on peut se faire tout. On a un code, on a une éthique dans le respect et le mélange. Tu n'as aucun critère de quelqu'un avec qui on peut échanger au téléphone. Toi, tu es une bête de scène. En fait, quand les gens veulent rire, quand on veut voir un personnage différent, extraordinaire, quelque chose que c'est humain, mais ça ressemble à l'animal. C'est là où on te regarde. Un gars qui boit 58 bouteilles de vin, le vin de 1 euro là. Quand elle parle, la bouche pue le camembert. Waris, tu peux parler devant les gens? Toutes les personnes qui t'ont déjà rencontré, c'est parce que les Camerounais sont hypocrites. Ils ne peuvent pas dire. Je sais que parmi vous ici, là où vous me suivez, vous avez déjà eu à rencontrer Waris. De vive voix dans le réel. Vous avez échangé. Waris, sa bouche, ça ne sent pas joli là-bas à l'intérieur. Ce sont les égouts. Waris ne se brosse pas. Waris ne se lave pas. La dépression l'a arrêté. Elle est partie acheter un petit chien, une boule de puce. Le chien l'a mangé les demi-sachets de cocaïne quand elle rentrait souvent des afters. Il chie en haut des bidets. Hein? Il chie partout. Tu ne peux pas me trouver un blanc là-bas. Reste là, tu ne cherches pas le blanc. Comme toutes les filles de ma famille ont eu leur blanc. C'est pour ça qu'elles veulent trouver pour toi. Tu vas pour me canner. C'est quoi ça? Geneviève Sen. Oui, on s'est croisé dans le bus aujourd'hui à Luxembourg-Ville. Hein? Non, mais vous me dépassez. Waris Richie Blanchard, tu m'as fréquenté à un certain moment de ma vie quand je venais d'arriver en Europe. Et depuis 2018, toi et moi, on ne se voit pas. Tu peux me dire, pourquoi est-ce que tu suscites autant d'attention à ce qui me concerne? Quelqu'un que tu ne vois pas, si ce n'est pas la jalousie, la frustration, l'aigreur. Tu es né pour finir seul.
Ton karma, c'est l'alcool que tu es plongé dedans là. Tu vas boire jusqu'à un jour, on va te trouver morte, un bim, cadavre, la dépression. C'est comme ça. Tout le ngang et le maraboutisme que tu as touché, les esprits des mamies Ouattara là, c'est ça qui est en train de taper les balafons dans ta tête. Hein? Subis ton sort. Laisse les gens, on attend aussi pour nous quand Dieu va nous punir. Hein? Tu me veux quoi? Tu ne me vois pas, tu as les problèmes avec moi, pourquoi? On ne s'appelle pas au téléphone, tu as les problèmes avec moi. Qu'est-ce qui peut déclencher? Quel est l'élément déclencheur? Hein? On ne se voit pas, on ne fréquente pas les mêmes personnes. En fait, tu n'as pas pu tenir. Dernièrement, j'étais à Paris, je vais vous expliquer pourquoi cette gangrène me colle au cul. J'étais à Paris dernièrement avec un mignon petit gars ivoirien, dans la gloire glorieuse, on l'appelle que William, un gars très beau, que je veux d'ailleurs conseiller dans la vie de se chercher. La beauté qu'il a ne lui permet pas de marcher avec des microbes pareils comme celle de Boris là. Le petit a fait la vidéo parce qu'il était enthousiaste, il me voit enfin, il aime la vie de le virtuel, il snap beaucoup, c'est son monde, chacun a pour lui. Debout là, on adresse la caméra avec la main, moi, voilà pour moi ici. Hein? Le petit me dit, ah Nivakin, je t'aime, tu es gentil, tu es sympa. Et c'est le petit lui-même qui vient vers moi. Il a tout fait. Le petit, là et moi, nous, on ne couche pas. On n'a pas fait l'amour. Je ne suis pas comme toi. On ne s'est pas mélangé dans l'amour. Il a aimé mon feeling. Il a aimé. C'est un petit qui est d'ailleurs très sans chaud, il est impoli. Mais il a aimé, je lui parle, il m'écoute. Hein? On ne devient pas chef. Je connais parler dans la vie. Et comme le petit m'a snappé, tu m'as vu dans les snaps du petit, tu es devenu dingue. Ce jour, quand tu appelais, j'étais assis sur le lit. Il a dit que non, il sait déjà pourquoi tu l'appelles. Vous allez causer vos choses après. Parce que moi, je l'avais expliqué que je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as contourné derrière. Tu es parti monter le petit là. On s'est échangé de voix sur Snapchat. Après, il est revenu à la raison. On a parlé tranquillement. Aujourd'hui, c'est mon petit frère de cœur dans l'amour, dans la vie. Quand je viens à Paris, je vais manger un joli restaurant avec lui. Tu sais que j'aime d'abord marcher avec tout ce qui est beau. Je ne connais pas un de mes amis qui est laid. Tu es la seule de mes copines qui a failli être ma copine, mais tu es laide. Donc, digère ta laideur. Tu es arrivé en Europe il y a un moment. Tu n'es jamais devenue belle. Ce n'est pas en 2022 qui est en train de finir ici ou 2023 qui va commencer dans quelques temps là, hein, dans quelques jours, que tu seras belle. Tu es faite pour être laide, fuscrée, aigri. Associe-toi au Borosang, les gens des ténèbres, vous restez dans le noir là-bas, vous faites un camp maintenant. D'accord? Vous êtes une team. Serrez-vous les coudes. Hein? Regarde mon visage. Depuis que je ne marche plus avec toi, Wari, je suis très jolie. Très belle. Wari, est-ce que tu peux approcher la caméra quand tu parles avec tes internautes? Hein? Tes pores sont bouchés. Wari, je suis resté dans la même maison avec toi à Paris. On venait souvent à Paris, on fait les after, on sort, on parle à BBB. Tu me dois d'ailleurs de l'argent, tu ne m'as jamais remboursé ça, ma soeur. Hein? Avant de me détester comme tu me détestes là, j'ai toujours le même nom. Envoie-moi ça à Western Union. J'ai toujours le même nom. Choisis soit Western ou Ria. Tu envoies, tu publies le reçu dans ta page. Je vais aller guetter là-bas ou quelqu'un va filmer, va venir me dire que va récupérer ton argent. Je t'avais prêté l'argent. Quand tu voulais aller faire ton anniversaire à la BBB, parce que tu es comme ça, tu es parti à Reims, tu pensais que la Bordelerie, c'est comme à l'époque, comme tu venais d'arriver. Tu es parti pour ta clé que tu vas faire l'anniversaire. Tu es revenu, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je t'ai dit que non, c'est moi qui bouffe la tontine de dimanche, je t'ai prêté de l'argent, tu ne m'as jamais remboursé. Si je manque, que ma copine Sydney vient me dire ici là que je manque. Tu me dois de l'argent, rembourse-moi déjà d'abord cet argent. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu vis avec un petit gars qui est féminin là. Petit gars Bafia. Hein? Petit gars là avec toi parce qu'il n'a pas là où dormir. Ça, c'est ce que je voulais aussi te dire aujourd'hui. Il a trop de classe pour être avec toi. Et dis-toi que quand le petit là trouvera sa voie, et j'appelle le petit là de me contacter à tout moment parce qu'il est un Français. Je peux lui trouver là où il va travailler au Luxembourg. Moi-même, je pars avec ses CV. Il va trouver le travail. Il va se chercher sa vie. Il ne sera plus obligé de subir tes aisselles, entre tes aisselles qui puent, ta gueule, ton corps. En fait, tu es une putoise. On a un putois. Wanyum, tu sens comme il doux. La musaraigne. Hein?
Avec ton visage carré, tu m'appelles 3 grammes. Tu étais maigre avant, non? Qu'est-ce qui t'a fait prendre les kilos? Pourquoi tu m'appelles 3 grammes? Tu m'as connu un jour, j'étais gros. M'as-tu déjà connu un jour gros? Non. Arrête de chercher la visibilité avec tes directs où tu fais, il y a 6 personnes. Quand c'est beaucoup, il y a 8. Tu es ridicule à la fin. Tu n'es rien, tu n'es personne. Je ne parle pas avec toi. Look me two times, en haut jusqu'en bas. Je te bats dans tous les sens. Physiquement, tu ne m'atteins pas. Financièrement, rien. D'accord? Dans la beauté même, je t'éponge là-bas. Hygiéniquement, tu ne parles pas quand je l'ouvre. Non, non. Tu es une putoise. Une crasseuse. Hein? Ton parfum, ce n'est que l'odeur de la cocaïne, l'ammoniaque. Les égouts. Et c'est toi qui se place sur les réseaux sociaux, tu fais les rendez-vous. En fait, je verrai le nombre de personnes qui viendront écouter ce qu'ils n'ont jamais entendu de moi sur Internet ici. Que quoi que je suis un PD, que j'ai beau, je suis passé par la Libye, on m'a violé, que j'ai été hébergé quand je venais d'arriver en Europe. Qu'est-ce que tu vas dire aux internautes? Mais moi, j'ai beaucoup de choses à dire aux internautes sur toi. Concernant ta misérable personne, pourquoi est-ce que tu es tombé dans la dépression de l'alcool? Aujourd'hui, tu ne te passes plus de l'alcool. Quelle est la vraie raison pour laquelle aujourd'hui tu bois? Je peux te l'expliquer. C'est ce que tu ignores. Quand on ne vous gère pas, faites pareil comme nous. J'ai fait l'erreur, je pensais que tu pouvais être comme du vin, te bonifier au fil du temps. Et j'ai fait faux calcul. En t'invitant à mon mariage, qui n'a d'ailleurs plus lieu, où j'ai changé les dates, que tu verras avec précision ici sur Facebook, parce que je vais t'envoyer ça personnellement. J'ai encore ton numéro, je vais acheter un numéro, une puce Leica. Je crée un WhatsApp et je t'envoie les photos. C'est pas à toi que les gens verront ça. Ça, je vais te donner ce travail-là. Tu n'es personne. Un homme qui m'aime, qui sourit avec moi, il ne peut pas passer à côté de toi. Tu dégages, tu pues la merde. Moi, si je connais un gars qui a couché avec toi, je fais rien avec lui. Wallah, au nom de Dieu, je ne fais mais rien avec lui. Blanc ou noir. Parce que je te connais, tu es une crasseuse. Toi et moi, on est restés dans la maison. Une semaine, tu tapes, tu ne te douches pas. Si il ment, les gens qui connaissent Waris, venez me dire qu'il ment. Pas les gens qui naissent sur Facebook pour détecter ça. Waris, tu es une crasseuse. Tu es le plus sale des PD que je connais sur la terre. Je sais que tu es là en faux profil parce que c'est ton travail. Et tu vas prendre ça sur toi. Tu es qui? Unuzezing, tu es quoi? Tu n'es rien. Même les gens qui cherchent le aide-moi à détester, tu n'arrives même pas à leur faire captiver. Parce que je vois souvent ici sur Internet, quand les gens ont les problèmes hein, avec d'autres, qu'on voit aussi que tu as les problèmes, ils vont venir vers toi. Mais ça n'arrive même pas avec toi. Parce que tu ne donnes même pas une image où on peut s'associer et faire un clan avec toi. Tu pues de la merde, tu es une crasseuse. Quelqu'un qui arrive à donner la nausée aux gens en direct. Non, mais il faut voir ton problème. Je connais un très bon psychologue ici à Liège. Si tu ne trouves pas un qui est à la hauteur de te faire passer de cette dépression, cette transaction-là. Moi, je n'aime pas insulter les gens dans certaines choses, mais si tu veux, je vais parler tes choses, mais à la salle et mal, hein. Non, mais Waris, en un an, tu déménages 6 fois. Quel est le but? Tu ne payes pas tes loyers, tu ne payes rien. Et tu te places sur Internet, tu me parles. Quelqu'un qui est arrivé en Europe il y a plus de 15 ans, quand on me regarde, moi, qui est arrivé ici en 2016, et toi, on peut se regarder, tu n'as même pas un titre de séjour en France de 3 ans. Si je mens, poste ça. On ne t'a pas donné, tu n'as pas un ticket, tu n'as pas 10 ans. Et pourquoi? Beaucoup de dettes, tu n'as pas fini tes études. Tu as étudié en France, mais tu n'as pas fini ton cycle scolaire. Je connais d'ailleurs des enfants qui ont étudié en France, qui n'ont pas de papier, qui ont fait toute leur vie en France, qui n'ont pas de papier. C'est ton cas. Tu nages entre 2 ans, 3 ans. Si je mens, filme ta carte de séjour. Voilà un Kaolo que je laisse mourir ici en Belgique. 5 ans, je peux te donner ça si tu veux. Si tu étais humble et gentil, je te donnais ça. Hein? Moi, j'habite le Grand-Duché maintenant. Ce n'est pas de ma faute, c'est la nature et la vie qui a eu pitié de mes pleurs, ma souffrance, qui m'a donné quelque chose comme moi aussi. Je dois être très joli comme ça. Hein? Pourquoi tu ne peux pas attendre ton temps, ton moment, si ça arrivera un jour? Tu es fini, tu es une épave. L'énergie que tu dépenses là, tu peux te concentrer. Hein? Concentrer ta laideur.
hein, et sortir en toi quelque chose de positif. Il y a des filles qui sont très laides, mais elles ne peuvent pas bien. Ça, c'est un exemple. Il y a des filles qui sont très laides dans des belles habitudes. C'est eux d'ailleurs qu'on épouse tous les vendredis et tous les week-ends dans les communes. Mais toi, tu es laide comme ça. Même un blanc, tu n'arrives pas à trouver. Ton cas est laid. Tu ne dépasses un enfant qui vit au Cameroun de rien. Quand on te regarde, Waris, à part les dettes, tu es la coqueluche des huissiers en France. À Paris, tu ne peux pas. Tu prends les appartements avec les fausses fiches de paye. Si je mens, tu ne travailles pas, tu déménages comment? Tu es. Il y a une maman là à Reims. Elle était dans une réunion là à Reims. Tu me faisais le Congo ça des mères là. Je vais bien me rappeler et je vais parler de ta réunion là, là où tu devais beaucoup. Hein? C'est une des femmes de la réunion là qui te fait les fausses fiches de paye quand tu prends les appartements. C'est toi qui parles aux gens. Il y a les gens qui travaillent en France. Elles ont mis 600 000, 700, elles n'arrivent pas à prendre les appartements. On te fait les fausses fiches de paye. Les fiches de paye où tu gagnes. Boris, méfie-toi. Je vais t'éteindre. Je vais t'éteindre. C'est une très mauvaise idée. Tu veux t'attaquer à qui? Tu t'es regardé. Tu t'es regardé de la tête aux pieds. Et quand tu me regardes, toi et moi, on peut parler. On parle le même langage. Tu es venu en France. Tu es comme une crue qu'on allait chercher au village hier. Ton visage, ton accoucrement, ta personnalité, même dans ta manière de t'exprimer. Hein? On te dit qu'un enfant qui a même fait le cycle primaire ici, en Europe, tu es une villageoise typique. Donc, dans les fins fonds, les forêts d'Ngumba à Kribi là-bas, on peut enlever le singe en bouche, mais on ne peut jamais enlever la bouche dans la tête du singe. C'est ça que tu vis. Tu es un exemple palpable. Ok. Waris Rishi me parle aussi. Non, mais vraiment, la terre est sale. Tu t'es regardé. Tu as des glaces, tu as des miroirs dans ta maison. Regarde-toi. Prends mon direct-ci. Écoute ça. À côté du miroir, et tu te regardes. Et tu me dis si ce que je suis en train de dire, si ce n'est pas vrai. Hein? Ma dorki, boile d'homme, un tout d'homme depuis ma canoma yen qui un tout d'homme depuis 2018. Quand j'ai fui la France pour venir moi choquer mes kaolo en Belgique, qui était toujours la même Waris que vous entendez ici. Quand j'ai connu Waris à Paris, elle faisait que quand on sort, c'est elle. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très poli, hein, mais je peux dégamer, mais très mal. Je vois même la personne, les enfants qui venaient chez toi à Paris dans le 19e, c'est parce que ces enfants-là, c'est des enfants de famille. Ils vivent en famille, ils ne peuvent pas porter les perruques et tout ce qu'ils venaient faire chez toi, là, chez eux, d'accord? Et d'ailleurs, ils vivaient en banlieue parisienne, d'accord? En Île-de-France et partout. Donc, tu étais dans le 19e. Ta maison était l'endroit là où tout le monde s'habillait, tout le monde prenait la glogue, on faisait l'after là-bas. C'était un caveau. Hein? On arrive, on sort comme ça. Quand les gens là me trouvent gentil, tu commences à leur dire qu'il n'y a pas de papier. Ça, tu me faisais ça. C'est ça, je me suis écarté à côté de toi. Tu es venu entendre le bim un an plus tard que moi j'avais eu les papiers depuis. Tu as discuté, tu avais même dit aux gens que c'est faux. C'est parce que j'ai perdu le téléphone. Tu avais dit, oh, c'est faux. Je te caolotise en Europe actuellement. Je t'ai trouvé. Si tu as 2 ans, la France est en train de changer. Vous tous qui ne travaillez pas en France, là, vous qui posez souvent les questions aux gens là, hein, vous allez lire. Vous êtes en France depuis plus des années. Waris, tu n'es pas français, pourquoi? Hein? Tu n'es pas français, pourquoi? Aussi que Manfou Lensi Amoudé, Aonga Soa Foulensi, tu dis souvent que ta mère, ce n'est pas ta mère, c'est que nous sommes en autant entourés. Tu es arrivé, tu étais petit, tu as fait ton cycle de primaire. Apparemment, tu as un brevet français. Pourquoi est-ce que tu n'es pas français? Ta mauvaise conduite. Tu es arrivé en France, tu as commencé à te prostituer à quel âge? Tu es allé à l'école. Le brevet, on doute même. Un tout d'homme, kabera ouri lan, a ouranyou, un boile d'homme, qui lan, tchè lan, anébi, baby, soya. Mi singi lan, carrément, a bien se placer. Tu fais les postes à qui? Tu n'as pas vu les photos de moi actuellement? Tu penses que moi, je nage dans le passé? Avec tes anciens sacs Lancel, le ventre penché comme quelqu'un qui a le beriberi, un tout cabette. C'est fini avec toi, bye bye. Je reviens, je t'attends dimanche. J'attends ta sortie de dimanche. Au même moment que tu es en direct, je lance le direct. On va voir.